Oui, maintenant, nous sommes à la boutique. C'est Mademoiselle Rita avec Mademoiselle Chiamaka. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous désirez? Je veux faire des courses pour ma famille. Je veux faire des courses pour ma famille. J'ai des vêtements de sortie, des chaussures, des bijoux et des accessoires. J'ai des vêtements de sortie, des chaussures, des bijoux et des accessoires. Est-ce que je peux voir ce que vous avez? Pourquoi pas? Allons-y. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Je prends ce pantalon et cette chemise. D'accord. Laissez ça. Je suis désolé. Je préfère celui-là mieux. Vous n'aimez plus. Vous n'aimez plus celle-ci? Oui, ça c'est moins cher que celle-là. Comment vous trouvez cette couleur? Je ne sais pas. Regardez cette robe, prenez-la. Je ne la prends pas. Apportez-moi cette jupe. Bleu et la chemise pour ma soeur. D'accord. Est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? D'accord. Non, merci. Le pronom démonstratif, c'est simple, compound form. Masculin, c'est lui, celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, celle-ci, celle-là,
Celsi, Celsla. Now you can see that for the simple form, the singular, we say celui, the plural in French, that's how it's called, singulier et pluriel. Celui, c'est elle, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là. Celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Celle-ci, celle-là. Now, in our next class, we are going to look at how to make sentences using these words, using this demonstrative pronoun, le pronoun demonstrative. In the simple and in the compound form, we are going to look at how we are going to use them, both the singular, the masculine, the plural, and the feminine, to use them in constructing sentences. And your assignment for today, you're going to construct 10 sentences outside what you have learned with the demonstrative adjective. Sir, said for masculine, said for feminine, and then said for plural, masculine, and feminine. Merci beaucoup. We already know the meaning of these French words. As you go through the lesson, use your dictionary, your textbooks, cross-check your JS1 notes and your JS2 first and second term notes. Most of these words, try to look for the meaning in English and get used to them. They are simple words. Merci, thank you. Soyez le bienvenu. Je vous fais des courses pour ma famille. There are very simple words. Vêtements, j'ai des vêtements. So, thank you very much.